Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mouscane Mélodie. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques idées des activités pédagogiques pour les enfants de 3 ans, 3 à 4 ans. En cette période de confinement, eh bien, ça peut bien vous aider à faire des activités à vos enfants si vous en avez entre 3 et 4 ans. Aidez-moi dans mes lancers de création de vidéos. Pour ça, abonnez-vous à ma chaîne, commentez si nécessaire, likez mes vidéos et partagez autour de vous. Eh bien, bonne activité avec vos enfants. Alors, il y a des bouteilles d'eau et des bouchons. L'idée, c'est de retrouver les bouchons qui vont avec les bouteilles, les boucher. Donc le geste de tourner et après de les déboucher. Vas-y. C'est bien. On les rebouche, bravo. Et ça va avec, c'est bien. Et ça veut dire c'est pas lié. C'est de l'eau, oui. C'est de l'eau. C'est bien. Voilà. Donc l'idée est de prendre des pâtes, par exemple des pâtes, et de décorer la lettre avec les pâtes. Tant qu'à faire, donc il faut prendre les lettres qui vont avec les prénoms de l'enfant, et ils adorent en général décorer, ça les calme. Bon, des fois ça peut être ça. Après il faut les recommencer et leur dire c'est pas comme ça, il faut en mettre un peu moins. Voilà, mais au moins ça les occupe bien. D'autres idées, donc pour essayer de reconnaître les lettres, donc il y a la grosse lettre qui est là-haut, et donc on doit mettre des pattes sur toutes les lettres A ou B ou etc. Donc là, l'idée est de positionner des bouchons, donc les nombres de bouchons sur le 1, le 2 ou le 3, et tant qu'à faire, les aligner comme c'est dessiné. C'est où le 1? D'accord. Ainsi de suite. Avec les idées de bouchons, donc on dessine les, on pose un bouchon,
on dessine tout le tour. Et donc c'est pour retrouver la taille qui va, la taille du rond qui va avec le bouchon. Bravo, Alia. Ouais. Donc là, l'idée est de leur apprendre dans un panier ou dans un bol ou autre où il y a beaucoup et pas beaucoup. Donc poser les pattes en fonction d'eux, toujours avec les idées, avec les pattes qu'on a sorties, on ne va pas sortir plein d'autres choses. Donc, on a beaucoup et pas beaucoup. C'est où, beaucoup? Beaucoup, oui. Et donc, beaucoup, pas beaucoup. Aussi apprendre les émotions aux enfants avec les couleurs. Donc on peut faire des petits dessins et écrire si c'est la joie, si c'est la tristesse, si c'est la colère. Et les colorier en disant voilà, ça c'est la joie, il est en jaune. C'est la tristesse, il est en bleu. Dessiner ainsi et mettre des petits bouchons ou des petits bouts de pâte pour désigner tous les visages avec le sourire et par la suite tous les visages avec la tristesse. Eh bien, bonne occupation, bonne activité pédagogique avec vos enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite. Bye bye.